Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo encore où le père, surtout le prophète, qui allait à l'ouest de la Côte d'Ivoire, chez les Guéré. Entre Obé et Guéré, c'est la même chose. On va écouter ce qu'il va nous dire. Où Dieu même a passé par lui pour sauver une famille. Pour sauver une famille. Regardez très bien la majorité des gens où il y a les témoignages, où les choses qui se passent. Toujours c'est les mamans. Moi, je ne sais pas pourquoi. Les mamans, une mère qui a souffert pendant 9 mois, elle a gardé grossesse pendant 9 mois. Accouchement aussi, elle a traversé les moments difficiles. Elle était entre la vie et la mort. Mais c'est ces mères qui bloque l'avenir d'une famille, qui bloque l'avenir de leurs enfants. Voici quelqu'un qui est gradé, actuellement il est gradé dans l'armée de Côte d'Ivoire. On dit c'est lui-même qui a la clé même de la nourriture de la police de Côte d'Ivoire. On va écouter, c'est quelle délivrance qui s'est passée. Jusqu'en où ils ont, où, vous voyez l'image qui est là, c'est quelqu'un qui est là, là. Petit truc qui est dans la main là, du prophète là. On dit ces caméras qui est là. C'est-à-dire ce que le monsieur fait chez lui à la maison là. Même dans sa vie, même ils sont au courant. C'est-à-dire ces cueils là, c'est là-bas, ils vont l'enterrer. On va écouter l'histoire et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. La famille, on montre ça là, c'est pour interpeller beaucoup de personnes, de faire beaucoup très attention. On dit ce monsieur, ce papa là, il aimait tellement sa maman, sa famille, il n'y avait pas. Non, mais son fils aussi était sorcier. Son fils avait la machette. La machette qu'eux prennent pour tuer les gens dans la sorcellerie. Son fils avait ça. Il l'avait caché dans le placard. Quand il veut aller, il veut tuer quelqu'un, quand il finit de tuer, c'est son fils qui prenait pour venir garder ça chez lui. Mais Dieu les a visités. Dieu les a. Je peux dire, Dieu les a guéris. Aujourd'hui, eux me portent soutane maintenant. La famille, on va écouter l'histoire et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ça. Ça tout le plan. Comme je dis toujours, ce n'est pas quelqu'un ou Dieu, quelqu'un font toutes les délivrances. Et Dieu encore va se manifester. Dieu ne fera pas au hasard si ce n'est pas le temps de Dieu. Mais ce Paulin, qui était agité en ce temps, souffrait énormément. Il aimait sa maman, il aimait son père adoptif. Et un jour, il y a un fils qui avait prié avec lui, il a commandé un de ses fils pour prier chez moi. Qu'il soit arrivé chez moi pour prier, c'est lui automatiquement que je sois la révélation que j'ai eue, j'ai reçue. Et j'ai dit, voilà, serviteur de Dieu, tu as construit une maison, il dit oui. Et la maison a fini. Hein. Maintenant, tu t'apportes par le vieil pour aller célébrer la maison. Il dit oui, il dit ok. Quand tu vas partir, tu vas même plus dans cette maison, tu as dormi. Quand tu as dormi, tu ne vas plus jamais te réveiller. Il dit, ah bon, il dit oui. Tu ne vas plus jamais te réveiller. Il dit, ah bon, il dit oui. Il y a un cercueil de ta maison, le cercueil c'est pour toi. La main que tu as dormi dans ce cercueil, quand tu as dormi là, tu as pu te réveiller, tu es dans ce cercueil. Il dit quoi? Il dit oui. Et j'ai fait sa vision. Et dans le cercueil, il n'était pas avec toi, il a vécu avec ta maman. Maintenant, tu as décidé d'envoyer bien. Depuis 2 ans que tu envoies là, tu n'as que des problèmes. Il dit, ah, c'est vrai, je ne comprends pas. Directement de ta maison, il y a une machette dans ton balcon, dans ton placard. La machette là, c'est ça, il peut égorger, c'est ton enfant qui a la machette, il garde la machette, c'est ça, il peut égorger les gens au village. Il dit, tu dis quoi? Il dit oui. Il dit mon placard, il dit oui dans ton placard. Il dit non, il n'y a rien dans mon placard. Il me dit à nettoyer mon placard. Il dit oui, c'est vrai, tu as nettoyé. Il dit, ça est dans ton placard, si tu veux, j'arrive là-bas. Il dit, si tu arrives là-bas, que tu as attrapé cette machette et que tu as attrapé mon fils qui l'a confessé, le bâtiment, tu vas au village. Il dit, on peut parier. Moi c'est ce que j'aime. Moi, j'aime les défis. Voilà, si mon Dieu ne vit pas, s'il n'existe pas, on verra la suite. Et son frère qui est venu, j'ai fait sa vision, tout, tout, tout. Même soir, ils sont venus me chercher, on est parti à la maison. Le jeune qui était à l'école, il m'a trouvé, on a prié, prié, et j'ai attrapé. Et c'est comme ça que j'ai pris la machette dans le placard. C'est que dans le plafond, au-dessus du placard, dans le plafond, plutôt, dans le plafond, et j'ai fait sortir la machette. La machette était trempée de sang.
Son fils a dit, papa, la magie, c'est pour moi. C'est moi qui garde la machette. Machette n'est pas pour tuer les gens dans la sorcellerie, mais c'est moi qui garde ça. C'est moi qui garde la machette. Il n'a pas confessé. Le monsieur qui est passé, il a paniqué. Et tout ce qu'il a dit, il dit oui, faites-moi vrai. Papa, il a tout vu. Dès maintenant, c'est Dieu qui t'a sauvé. Sinon, tu n'es pas mourir comme ça. Et il ne s'est pas terminé chez toi, dans ta maison, au village. Hein, il y a une caméra, c'est un miroir. Donc, tout ce que tu fais, on te voit. Tout ce que tu fais, on te voit, on te suit. Il dit, prophète, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'on parle de chez moi demain? J'ai dit, mon déplacement, c'est 1 million. Il dit, ce n'est rien. Depuis, tout est bloqué, je ne comprends pas. Je ne m'avais pas prêt aujourd'hui. On va partir tellement, pardon. Je vais te donner 800 000. Et moi, je vais vous donner un véhicule. On s'en va ensemble. Vos déplacements, vos nourritures, tout vos hébergements, ça ne me coûte. Et mais c'est obligé. Tant que je me déplace, je vais pas ma nourriture. Je vais chez toi. Ouais, je ne connais pas de là-bas. Et c'est comme ça, il a 800 000. Et nous sommes partis. Un jour, je l'ai. Même je lui ai monté encore personnellement sa chambre. Il dit, voilà ta chambre. Voilà la maison, voilà ta chambre. Il dit, oui. Il dit, cassé. Pas cassé. Et c'est comme ça, j'ai détruit ce cercueil de sa chambre. Et ce que vous voyez de ma main, c'est une caméra, mais c'est le miroir, c'est une caméra. Ce qui fait que tout ce que le monsieur entreprend, on le voyait. Oh, il aimait tellement sa maman qu'il envoyait l'argent, il aimait son père de tout, que chaque fois, il lui a fait un dépôt, il lui a fait un dépôt, il a ses zéros. Je vois l'homme noir, comme l'homme noir méchant. Vous voyez le cercueil, c'est un cercueil que vous voyez de ma main ici. Et comme moi, je ne travaille pas en cachette, je ne travaille pas à deux clous, non, 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 non. Je travaille devant le monde, devant tout le monde, tout le monde. Et vous êtes là, puis je travaille. Vous me voyez la vérité. Ce n'est pas deux clous, non, non, non. Et quand je vais travailler, je te dis, mon frère, vraiment, deux ou trois de ta famille, ils ont qu'à venir. J'ai précieux, tout. Je vais donner une cent à se frotter le corps. Puis on s'en travaille, c'est moi qui creuse. Puis moi, j'enlève. C'est moi qui creuse. C'est pour ça qu'on a travaillé, j'ai déterré le cercueil. J'ai attrapé le miroir. Et le miroir était où? Dans le vagin de sa maman. Et j'ai pris, j'ai tapé son ventre. C'est pour ça qu'elle a fait tomber le miroir. Et c'est la caméra. Quand on travaille à déterrer le cercueil, elle a pris la caméra et l'a mise en bas d'elle, dans son vagin. En bas d'elle. Il avait prié. Le Seigneur dit, tape son ventre. Il a prié, mis dans son ventre. Voilà. C'est tombé. Il était trempé de sang. Vous voyez. Donc voilà. Ce qu'on a dû à délivrer ce serviteur de Dieu, l'agitant. Où je vous parle aujourd'hui, il est devenu un grand cadre de sa famille aujourd'hui. Il a conçu des appartements ou d'autres, il a conçu des immeubles. Il a conçu des immeubles. Aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de la nourriture de tous les policiers de Côte d'Ivoire. C'est bon, c'est dans ce domaine-là qu'on l'a classé. Aujourd'hui, il a l'argent. Dieu l'a délivré. Ce n'est pas moi qui l'ai délivré, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais Dieu l'a délivré à travers son ami qui l'avait accompagné. Vous savez que c'était le temps de sa délivrance. C'est comme ça que Dieu l'a envoyé avec son ami. Aujourd'hui, où je vous parle, il dit à partir d'aujourd'hui, il devient chrétien céleste. Il devient chrétien du Christ céleste. Il était catholique. Mais à partir d'aujourd'hui, il porte la soutane. Aujourd'hui, celui qui est président des voyants, c'est ma paroisse, du monsieur vachement riche. Tu l'as délivré. Toute sa finance qui était bloquée, tout ce qu'on fait, a été délivré. J'ai lavé son enfant a été délivré aujourd'hui, son enfant travaille. L'enfant est ingénieur en bâtiment, aujourd'hui son enfant a travaillé, il a dit son petit cadre. Il a sa voiture, tout. Aujourd'hui son enfant s'est dit que c'est céleste, il est devenu encore plus un grand homme de Dieu, qu'il presque pas de Dieu, Dieu même temps il a dépassé. Il a été délivré. Donc tout cela, c'est Dieu qui le fait. Mettez vos foi en Dieu, quand tu as foi en Dieu, croyez en Dieu, quand tu crois en Dieu, que tu as foi en Dieu, quand tu as foi en Dieu, Dieu te délivre. Ne cherchez pas trop. Il y a Dieu, vous courez par les chiens, pour les féticheurs, pour les couches, etc. Pourquoi? Vous avez Dieu qui est vivant, un Dieu qui est là pour vous sauver. Et vous, là, vous courez de gauche à droite. Si tu as ce Dieu qui est vivant, mais qui te donne chaque jour qui fait que tu te réveilles, puis tu respires là. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? S'il accepte, il a permis que tu te réveilles le matin et que tu respires, que tu as la bonne santé, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Et puis tu cours encore de gauche à droite. Ça toujours plus précisément dans le verset de paix.
C'est une petite commune de la ville de Badouin et Trouble, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une personne vers le Libéria. Vous voyez? Donc, voilà ce que Dieu a fait encore. C'est comme ça le cercueil. Et quand on a mis le cercueil, quand on a brûlé le cercueil, et dis donc, le cercueil ne brûle pas. Les gens se retournent. Tout, les gens se retournent. Le cercueil ne brûle pas. Mais comme Dieu est Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est suprême que Dieu. Le cercueil nous a brûlé avec la prière, prière, prière. Une sainte a versé. Si ça, une sainte Michel, on a versé avec la prière. Il dit que le cercueil nous a brûlé. Un coup, une fumée noire qui s'est levée, qui est sortie de là. J'ai attrapé la vieille, j'ai attrapé le mari de sa maman, les vieux, ils ont quoi confessé? Ils ont dénoncé 13 personnes, je vous dis 13 personnes, bien comptées. Il y a 13 personnes, je ne suis pas dit dans la même maison. J'ai dit, quand tu es ici, mais voilà, si c'est vrai, parce que la société ment souvent, pourquoi tu as dit qu'ils confessent, ils peuvent mentir, ils peuvent inventer des choses. Mais quand tu parles, jamais, tu es concentré, quand c'est la vérité, l'esprit dit, c'est vrai. Quand tu mens, tu mens. Et quand tu dis, non, les personnes, je dis, quand c'est vrai, je vais te chercher. Quand c'est vrai, maître, c'est pas vrai, tu mens, je te laisse la personne. Il dit, il y a plus de 13 personnes dans la ville. 13 personnes, 13 sorciers. Des enfants comme des grandes personnes. Et avec les prières, prières, prières. Et chaque famille venait maintenant pour voir ce qui se passait. Et c'est pour ça que j'ai prié pour les 13 personnes. Et avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, le serviteur a été délivré aujourd'hui. Ça, c'est la grâce de Dieu, ça, c'est la puissance de Dieu. Que Dieu s'apaise avec nous, que Dieu nous bénisse. Ne cherchez plus loin. Le Dieu que vous avez, qui vous protège, qui fait que vous voyez le jour chaque matin, qui fait que vous levez sur le matelas, qui fait que vous respirez, qui fait que vous avez la pleine forme, ce même Dieu, aujourd'hui, je ne sais pas à toi, que tu es malade, le même Dieu a accordé la délivrance, la guérison au nom de Jésus. Ne cherchez plus loin. Que Dieu s'apaise avec vous. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que le prophète a dit. Mais moi aussi, j'aimerais ajouter aussi quelques ingrédients. Vous savez, nous qui sommes sur cette terre-là, on souffre beaucoup. Souvent, on tombe sur les faux pasteurs. On tombe sur les faux prophètes. Non, voici prophète, il est ceci. Oui, ah, il va dire non que oui, ta maman est sorcière. Ton papa est sorcier. Ok. Mais quand il dit telle personne est sorcière, sorcier là-haut. Comment tu vas faire? Est-ce que. Parce qu'il n'y a pas fait du nom, tu as prié. Tu finis de prier, c'est bien. Tu finis de prier pour la personne. Ça va aller. Mais arrivé au moment là, ça va beaucoup chuter. Parce que quoi? La racine, tu es là. Quand tu veux couper l'arbre, il faut chercher racine. Mais si tu n'as pas détruit racine même, tu donnes même les fruits, tu donnes l'arbre là-haut. Est-ce que l'arbre là. Est-ce que tu as touché? Non. Tu peux faire rire, papa, papa, tu vas. Oui, briser, briser. Tu peux le faire, c'est bien. Mais est-ce que, d'où vient le problème là? Est-ce que tu es allé à la compte de ça? Mes frères et sœurs, je ne me tape pas la poitrine pour dire non que oui, voici ceci. Non, je le dis toujours, moi aussi, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas là pour blaguer. Si c'est faux, ceux que moi, je les ai mis en contact avec le prophète, eux peuvent venir mettre les commentaires ici pour dire, mon petit, arrête de mentir. Je le dis haut et fort, devant Dieu, devant la terre. C'est pour cela que je vous dis, ceux qui rentrent en contact avec moi, avant de rentrer en contact avec le prophète, vous allez passer par moi. Ça, c'est sûr. Vous allez passer par moi. C'est moi qui dois donner le OK. C'est moi qui dois dire voici les principes que le prophète a donnés. Et c'est grâce à ça. Si vous respectez les principes, je vous donne son numéro immédiat. C'est comme ça. Et des deux encore, ceux qui se trompent, ceux qui prennent le numéro du pasteur, vous ne savez pas comment ça se fait. Quand vous prenez le numéro, je vous donne. Moi, je lui dis mais immédiatement comment ça se fait. Mais si tu veux, il faut changer de numéro. Tu vas l'appeler, il va décrocher, il va te demander c'est qui. Et tu vas détailler. Lui va revenir à moi. Et s'il dit oui, c'est telle personne-là. C'est moi, je lui ai donné ton numéro. Il va te rappeler. Mais s'il dit c'est pas moi là. J'aime Coco. Si vous voulez là, prenez son numéro. Vous allez prendre le numéro de quelqu'un, de vos femmes. Ou de votre mari pour l'appeler là, il va décrocher, il va parler à vous, mais il va vous regarder, il va m'appeler. Est-ce que c'est un numéro là? Est-ce que tu connais telle personne? Si il dit non là, c'est fini. Donc arrêtez de dire, ouais, j'ai eu son numéro, je vais donner ça à quelqu'un d'autre, il va faire ceci, il va faire cela. Là, le planning là, ça marche pas. Quand on fait des trucs de Dieu,
On doit être dans les règles. Désordre là, Dieu n'aime pas ça. Vous voulez envoyer désordre. Ou soit vous me voyez jeune sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez prendre le numéro en même temps, donner, distribuer ça à vos familles. Vous là, vous êtes. Est-ce que c'est que vous faites là, mais vous trouvez ça normal? Eh, Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez rien encore vu. Je vous dis toujours, soyez disciplinés. Là, si c'est dans discipline, on travaille. Si tu es discipliné, tu vas voir comment les choses vont se passer. Mais vous voulez être dans des ordres. L'Africain aime des ordres. Oh, ce n'est pas dans des ordres, tout se règle. Voilà. Donc la famille, ça là, chez les guéris, ça s'est passé. Ça fait mal, ça fait pitié. Oui, ça fait mal, ça fait pitié. Comment quelqu'un en train de travailler se soucie de ses parents? Et c'est les mêmes parents qui viennent le tuer. Moi, je vous avais expliqué une histoire dans mon propre village. Il y a un jeune qui est sorti instituteur, un maître. L'instituteur, il a eu son premier rappel, tout ça là. Il était content. Vous savez, les instituteurs, ils gagnent de l'argent hein, quand ils sortent comme cela là. Son premier salaire rappel, il a décidé de construire au village. Construction là. Et ça y est. Il a fini de construire et ils l'ont laissé. Construction, briques, tout. Quatre chambres salon. Salon même, tu vois. Vous-même, vous connaissez. J'ai dit, tu vois là, mais tu es content. Tôle partout. WC dedans, dans la maison. Le gars meublé ça, mettre les lits, fauteuils, tout ça là. Le gars, il a fini de meubler. Hein. Où il a décidé, genre comme c'est demain, il va aller dans sa maison dormir un peu. Parce que le gars, le jour il a décidé de dire, ils ont fini tout. Il n'a même pas dormi dedans, il a meublé tout, il n'a pas dormi. Le jour il a décidé de venir voir sa maison dormir dedans. La veille, le gars est mort. Il n'a même pas mis ses pieds. Le lit même qu'il a acheté là, mais il n'a même pas dormi. Il est mort. C'est ceux qui sont venus dans le funérailles de ce monsieur-là, de ce jeune homme-là. C'est eux qui ont dormi dans la maison. Vous voyez? À cause de ça, souvent, il y a des villages là. Tu vois, village, mais tu dis, mais village là même, il n'y a même pas les belles constructions. Village là est comme ça, village. Ceux qui tapent leur poitrine et puis ils sont construits dans leur village là. Ils sont les durs. C'est pour cela, regardez très bien, je ne suis pas là pour dire, je vais faire pour dada ou soit promotion des gens. Hein. Les Atiers, les Abers, les Akans, ceux-là. Chapeau à vous. Pourquoi il dit chapeau à vous? Je ne suis pas attiré, je ne suis pas abeille, je ne suis pas ceci. Mais quand il dit cela, même Agni, voilà les Agni aussi, vous savez pourquoi? Ceux-là, eux, ils font concurrence des maisons, des constructions dans les villages, propres villages. Regardez les villages attirés, les villages abeilles, les villages, comment dirais-je, Agni. Dans les villages, il y a ces constructions qui s'affrontent. Moi, j'ai vu une maison de mon cousin. Non, moi, je dois construire une belle maison. Eux, les saucisseries, il y en a, mais c'est eux-là, les challenges, là, c'est construction. Mais il faut venir chez nous à l'ouest. Faut venir chez nous à l'ouest. Toi-même, souvent, mais tu es en train de construire ta maison. On laisse ça inachevé où tu vas te reposer. Inachevé seulement. Hein. 2 mois, il te donne 2 mois. Tu vas voir, je ne sais pas si c'est papayé, papayé. Bon. Tige de papaye, on appelle ça comment? Papaye. Bon, papaye, voilà. On boit des arbres de papaye, tu vas pousser là-bas. On est dedans. Oh, remarquez très bien. Si vous voyez les maisons inachevées, les maisons inachevées, les gens, pardon, bon, une maison inachevée. Si vous voyez papaye là-bas, là, c'est que
Maison là, c'est pas tout à l'heure là. Protein va se rappeler. Par quand papa pousse dans maison inachevée là, c'est comme ils ont mis l'oubli dans ton cerveau et puis dans ton cœur. Remarquez très bien, dans les maisons inachevées, même s'ils sont là construits là, si vous voyez quelqu'un en train de construire une maison et puis il voit petit truc de papaye qui est en train de pousser là, faut détruire en même temps, faut pas laisser. Faut pas laisser. C'est un mauvais signe qui est là. C'est même pas bon. Faites beaucoup très attention. Il y a des signes même qui sont là. Il y a des signes. Voilà, il y a des signes qui sont là. Quand on va vous montrer, ce n'est pas en public, on va vous montrer. Il y a des signes qui sont beaucoup comme ça. Mais les gens ne font pas attention. Les gens ne font pas attention. Les gens pensent que quand on finit, souvent aussi, il y a des trucs, mais les gars font même. Ouais, gars, ou. C'est parce que je ne peux pas décourager beaucoup de personnes ou je ne peux pas nuire le travail de d'autres personnes. Sinon, dans les hôtels où les gens sont dormis là-bas, là. Non, il ne faut pas gâter le travail des gens. Faut pas, ils vont dire, tu vois, sinon, hôtel où on s'en paye, puis on coupe. Il y a aller tromper ma femme ou il y a aller tromper mon mari. Dormir au moins, on fait quoi? Seigneur. Seigneur, faut toucher les cœurs. Toi, mais viens, tu vas les expliquer. Dans leur sommeil, eux me vont comprendre. Je vais t'aider, je vais t'aider. Si tu t'aides pas, nyeh, nyeh. Faut pleurer, si tu t'aides pas, tu t'aides pas, nyeh. Bref, bon la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on est ensemble.